Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Yuji. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur le jeu Pokémon Légende Arceus. Voilà, sur le jeu Pokémon Légende Arceus. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, car aujourd'hui, petite vidéo shiny. Voilà, je n'ai pas encore terminé de remplir, vous savez, le Pokédex pour aller choper le Charme Chroma. Il me reste un seul Pokémon. Regardez, je suis à 241 sur 242. Il nous manque Siribou. Je vais aller le faire dans la soirée pendant que ma petite femme joue à Horizon Zero Dawn. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas Horizon, c'est Zero Dawn, c'est le dernier Horizon. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons chercher un moustillon baron shiny gratuitement. Alors voilà, il y a quelques petits prérequis pour pouvoir avoir ce moustillon shiny baron. Il va déjà falloir le Nintendo Online, voilà. Alors c'est pas quelque chose qui peut corrompre votre sauvegarde, il faut pas vous inquiéter. C'est tout simplement une personne qui a créé un bot qui en fait va vous permettre de tomber sur une personne qui s'appelle Suarez en échange. Et du coup, une fois que vous tombez sur cette personne-là, et ben là, à ce moment-là, vous y allez, vous lancez un échange et normalement, vous allez mettre un Pokémon et lui va mettre un moustillon shiny baron d'office. Donc on va tester ça dans cette vidéo. C'est parti, on va voir juste à ce qu'on l'ait. Vous allez avoir différents codes qu'il va falloir rentrer, un partenaire lointain. On va tester, regardez, c'est très simple, il y a 5 codes différents. Donc on va en tester déjà un premier. Alors on va tester le 90. Donc si on tombe sur la personne qui s'appelle Suarez direct, ça veut dire que ça marche et qu'on est, on est plutôt bien. Donc on va tester ça. Est-ce qu'on va tomber sur lui? Alors là c'est Edgar, donc on n'est pas sur la bonne personne. Donc on va quand même tenter de mettre un Pokémon, voir ce qu'il nous propose. Par exemple si je fais échanger. Et voilà, il a annulé l'échange, donc là ça annule automatiquement. On va tester avec un autre code. Donc on lui reparle, échanger un Pokémon, un partenaire lointain. Comme je vous l'ai dit, par contre, il faut le Nintendo Online. On fait 50-50-50-50. Voilà, on va tester plusieurs codes. Il faut qu'on tombe sur la personne Suarez. Et si on tombe sur celle-là, on est bon. Et on y est, on est tombé sur Suarez au deuxième coup. Donc je vous dis, on va mettre un Pokémon, on va se mettre celui-là. Et là, normalement, on a le moustillon shiny baron 70, on va faire échanger direct. Ça y est, on le voit, regardez ce moustillon shiny. Purée, alors, on n'a pas mis longtemps. Hein. Donc, si vous voulez avoir plusieurs moustillons shiny, voilà, vous pouvez tenter ceci. Allez, je vous laisse l'animation. Parce que c'est quand même assez stylé, cette petite animation. C'est parti. Allez, adieu Connector. Derrière, on obtient un Pokémon plutôt stylé. Petite vidéo astuce, hein, en tout cas. Et du coup, je remercie, parce que je suis tombé sur cette vidéo grâce à Shisto. Voilà, qui a fait une petite vidéo là-dessus. Je me suis dit, allez, voilà, ça peut régaler un petit peu tout le monde. Chez toi, déjà un peu plus de commu et tout, mais je me dis, ça peut quand même régaler. Donc, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Moustillon, on vient de chez Suarez. Contente de te revoir, Moustillon. Et voilà. Et là, du coup, on a un Moustillon shiny baron, regardez. Voilà, l'échange a décidé d'être interrompu. Voilà, donc nous, on s'en fout parce qu'on a notre Moustillon en plus shiny. On va aller le chercher, on va aller, regardez, on va se TP, on va aller le tester. Je pensais pas réussir aussi rapidement, hein. Du coup je pensais que j'allais faire des cuts et tout dans cette vidéo, on n'a même pas eu besoin d'en faire. Donc là, alors clairement, là voilà, on n'est pas sur un Pokémon, si vous voulez pas le faire, vous laissez de le choper vous-même. Ah oui d'accord, ok, j'avais pas vu les stats aussi du Moustillon. On est sur un Moustillon level 70, avec un peu beaucoup de stats quand même. Ok. Alors, à faire déplacer. Regardez-moi cette beauté. Et liquide, pour moi, c'est terminé. Darkrai, par contre, qui est incroyable. Regardez ça. Moustillon, let's go. Et là, on est sur un baron. Hein. Donc, autant vous dire que c'est quand même un beau bébé. Level 70 et shiny. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. Voilà, on va se quitter sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo astuce, comment obtenir un moustillon shiny baron. C'est quand même plutôt assez sympa. Donc merci beaucoup pour l'astuce. N'hésitez surtout pas à vous abonner
à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un gros pouce bleu également pour soutenir ces vidéos et tout. Je suis à fond sur Pokémon, je vous dis, je pense que je vais essayer de me faire le Pokédex complet en Shiny. Je vous avoue, cette méthode-là, c'est pas celle que je vais rechercher. On va vraiment partir à la chasse, nous, dans les prochaines vidéos. J'attends d'aller chercher mon charme Chroma et après d'aller chasser de la meute. Et du coup, ça risque d'être super intéressant. Donc en tout cas, voilà, c'est un beau petit bébé qu'on a là. J'avais envie de vous partager ça. Allez, des gros bisous à tous, n'hésitez pas du coup, profitez bien, passez un très bon week-end, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis tchuss.